Reviens plus tard, c'est fermé. Ah bah, c'est quoi ça? On ne peut plus boire son de l'eau? Je vais aller chez la concurrence. Vous allez voir ça. Vas-y. Tu as vu notre cabaret à Kidini ici? Non, pas qu'on le rende, rien ne m'a amené. Non, non, mais on a dit que l'air, on a dit l'air, pas qu'à vous. Ça, c'est ton problème. Hey, laisse-moi voir, je m'en fous là. Hey, j'ai mon argent. Hé, hey, Laetitia, viens. N'entrez pas, entrez. Vous recevez ou vous refoulez? On refoule les hommes, on accueille les femmes. Ça devient intéressant. Il y a quel complot ici? Vous fondez une secte ou quoi? Non, on fait le point de la tontine. Tu veux intégrer le groupe? Non, 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 les tontines, c'est pas mon truc. Pourtant, ça résout des problèmes. Hein? Ça ne rapporte rien. Mais par contre, chasser un client, ça, ça fait perdre de l'argent. Tu parles comme ça parce que toi, tu as un salaire. Hé, Marie, laisse-la. Si elle ne veut pas cotiser, là, elle n'a pas besoin de nous critiquer. En tout cas, c'est pas elle qui va être riche aujourd'hui. Justement, c'est autour de qui de prendre l'argent aujourd'hui? C'est autour de... C'est ton tour, Marie. Hein? Je le savais! Je le savais! Vraiment, c'est une secte, votre truc. Ouais, si tu veux. Marie, excuse-moi, je ne voulais pas me moquer. Mais comment tu fais? Où tu trouves tout cet argent pour cotiser? Tenez, moi, on économise un peu. Oui, mais sur quoi? Sur l'argent de la popote. Et que comptes-tu faire de cet argent? Offrir un cadeau à Lagui. Ah, les femmes soumises. Même quand elles détournent l'argent de leur mari, c'est pour lui offrir un cadeau. Qu'est-ce que tu connais, toi, au mariage? Une épouse, c'est une femme qui a son avenir loin derrière. Une citation d'Ambrose Bierce. Touche pas à mon argent. Une citation de Lagui. Marie, en fait, la tontine là, ça ne fait pas fructifier l'argent. Ah ouais? Mais oui. Regarde. 1. J'achète le boubou que Lagui a repéré chez le colporteur. 2. S'il est content de moi, il augmente ma popote. 3. Ça me permet d'augmenter la tontine. C'est pas fructifier ça? N'oublie pas de malmener de temps en temps ton mari, hein. J'ai tout entendu, hein. Lagui. Voilà. Comme ça, là, il ne trouvera jamais ça ici. Qu'est-ce qu'elle peut bien me cacher? Ah, je l'ai.
Qui a pu bien lui donner une telle somme? Elle a un amant. Ça, c'est Laetitia. Elle a une très mauvaise influence sur elle. Elle a même dit de me malmener. D'accord. On verra si tu oses venir réclamer cet argent. Tenez, ça va pas? Ce sont mes reins, je suis toute rouillée. Heureusement que ce n'est pas ton tour de mari ce soir. Marie, attention, hein. Même quand j'ai mal partout, je ne passe pas le tour de Marie. C'est pas parce que toi, tu es jeune que tu vas guetter ma place. Tu veux te battre avec moi pour savoir qui va gagner l'agi ce soir? Moi. Toi. La Koubarou. Hey. Marie, hey. Je te terrasse quand je veux et tout de suite. Hey. Je demande à voir ça. C'est ça. Tenez. Bon, hey, en attendant, ce soir-là, tu veux pas la guiser pour moi, y'a quoi? Tenez, ne t'en fais pas, c'est ton tour aujourd'hui. Merci. La guise, comment ça? Normalement, c'est mon tour ce soir. Il n'y a pas de normalement ici, c'est moi qui commande. Ça, c'est combien? Ah, non, ça, je ne vends pas. Ça, c'est fragile. Tu le gardes, tu l'achètes. Qui va acheter un sapin de Noël en période de Pâques? Toi, là, écoute, tu connais papier, mais tu ne connais pas business. Aujourd'hui, je te le vends à 1000 francs. Mais en décembre, même avec 2500, je ne te le donne pas. Mon frère, même en décembre, ce sapin-là, je ne le veux pas. Qui croit encore à l'affaire du petit Jésus? Laetitia, si Marie t'entendait... Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Et vous l'avez, vous allez me l'acheter, mon sapin de Noël? Écoute, tes histoires de sapin et de Père Noël n'ont rien à voir avec la Bible, hein? Arrête de faire du business autour de notre Christ bien-aimé. Tenez, puisqu'on parle de Marie, elle attendait le colporteur impatiemment, non? C'est sûr, avec l'argent qu'elle a pris à la tontine. Bon, je vais l'informer avant qu'il n'ait plus rien à acheter. Hey, tenez, oui? S'il te plaît. Donne ça à Marie. Ah. C'est un cadeau de la maison. Merci. Ah, donc tu as compris que personne n'allait le prendre. Il faut diminuer. Hey, curieux, qu'est-ce qui ne va pas? Cette institutrice athée là, elle commence à me fatiguer. Ah, elle t'énerve toi aussi. Tu te rends compte? Elle veut gâter la foi de mes fidèles. Elle a gâté Marie. Ah oui? Tu t'inquiètes maintenant de la foi catholique de ton épouse? Je m'en fous de la foi de Marie. Laetitia est en train d'embrouiller la tête de Marie. Et Marie me cache des choses. Ah oui? Marie! Qu'est-ce qu'il y a? Le grand jour est arrivé. Quel grand jour? Le colporteur est là. Hein? Tu peux me remplacer, s'il te plaît? Merci. L'enveloppe a disparu. Venez, venez, approchez, venez, venez. Les clients se bousculent, approchez. Venez, il y en aura pour tout le monde. Approchez, approchez. Venez, approchez, approchez.
Approchez, venez. Venez, venez, venez. Allez, dépêchez-vous. Venez. Bien vrai qu'il n'y a pas autant de clients que sa mère. Approchez, venez. C'est une catastrophe. Marie, non, ne t'inquiète pas. Tout va finir, mais pour toi, c'est différent. Regarde ce que j'ai réservé pour toi. Le boubou que tu m'as commandé la fois passée. Mais il y a quoi? C'est pas ce boubou? Si, si, si. Et alors? Il faut que tu me fasses crédit. Ah non. Hé, Marie, écoute. Non, 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 non. Je me souviens très bien. Tu m'as parlé d'une tontine, non? Que tu devais toucher. C'est vrai. Ah, alors. Quoi? On m'a volé l'argent de ma tontine. Bon, écoute, c'est pas grave, écoute. Oui, j'en ai plusieurs exemplaires. Mais tu grilles me payer une partie avant que je ne quitte le village. Hein? Compris? D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Mais pas un mot là, Guy. Promis, je serai muet comme une tombe. Hein? Merci beaucoup. Allez. Venez, approchez, approchez. Venez, venez, venez. Approchez. 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 Venez, venez, approchez. Eh, mon ami, elle faisait quoi ici, la dame là? Non, rien, juste pour le plaisir des yeux. Elle est bizarre ces deux jours-là. Mais vous vous rappelez du tissu qui m'a plu la dernière fois là? Le bassin vert là? Ah oui! Oui, je me souviens. Tu l'as toujours? Oui, je l'ai. Je l'achète. Ah, mais... Mais il se quoi? Trouve que... Il se trouve quoi? Il se trouve que rien. Voilà. Ah. Merci, Lagi. Venez, approchez. Venez, venez. Oui, entrez. Merci, Laetitia. Ça va, Marie? Assois-toi, il y a un tableau. Merci. Ah, je vois que tu as le joli boubou de Lagi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il te plaît pas? Si, si, si. Je suis contente. Mais on dirait pas, hein? Je peux te demander un service? Oui, vas-y. Est-ce que je peux cacher ce boubou-là ici en attendant de l'offrir à Lagi? En ce moment, il y a trop de choses qui disparaissent à la maison. Mais aucun problème. C'est pour ça que tu es gênée comme ça? Il y a autre chose. Quoi? Quand je te dis qu'il y a trop de choses qui disparaissent à la maison, là, je vais parler aussi de l'argent de la tontine. Tu as perdu l'argent de la tontine? Hé, Marie, tu as vu dans quelle situation tu t'es mise avec cette histoire? Je sais, tu m'avais prévenu. J'ai pas de leçon à te donner, mais vraiment... Laetitia, je ne suis pas une de tes élèves, d'accord? Donc tu arrêtes avec ta morale, là. Comment tu t'es arrangé avec le colporteur? À crédit. À crédit. Donc, il te faut un mois pour trouver l'argent. Pas un mois. Mais lui, il vient chaque mois. Je lui ai promis de lui donner quelque chose avant son départ. Mais Marie, tu es courageuse. Et comment tu comptes t'y prendre? Justement, je venais ici pour voir si tu... Ah... Je vois, tu veux que je te prête de l'argent, c'est ça? C'est pas toi qui te moquais de mon salaire quand tu touchais ta tontine? Laetitia, ça va comme ça avec ta morale là, tu entends? Hein? Si tu as pas me laissé, tu laisses. Tu vois bien que ça me gêne déjà de te demander. D'accord. Si je te prête l'argent dans ce cas, c'est moi qui offre le boubou à Lagi.
Laetitia, c'est pas drôle, hein? Tu sais très bien que Ladji n'est pas insensible à mon charme. Arrête! Et mes maris? Mais je plaisantais! Marie, arrête de tourner autour de moi comme ça. Assieds-toi et dis-moi ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, rien ne va en ce moment. Tu exagères. Tu sais ce que Laetitia m'a dit. Et vous là? Pourquoi il ne se passe pas un seul jour sans qu'on parle de Laetitia dans cette cour? Qu'est-ce que Laetitia t'a fait? J'ai demandé à Laetitia de garder le joli boubou vert de Laïgi là. Et alors? Tu sais ce qu'elle m'a dit? Que comme Laïgi était amoureux d'elle entre-temps là, c'est elle-même qui va le lui offrir. Tu te rends compte? Le joli boubou vert que je guettais depuis si longtemps? Oh, toi aussi. Tu es trop nerveux ces deux jours. Tu connais bien Laetitia, non? Elle plaisante avec toi. Non, elle plaisante pas. Elle veut donner le joli boubou à Laïgi. Laetitia ne va jamais donner ton boubou vert à Laïgi. Je... Le boubou vert. Le boubou vert. Il faut que je présente mes excuses à Marie. Je vais la voir demain. N'est-ce pas jolie? Laïgi, je sais tout. Moi aussi, je sais tout. Inutile de nier. Inutile de me cacher des choses. Je ne vais pas accepter que tu me manques de respect ici. Qui manque de respect à qui ici? Eh, boule, arrêtez! C'est quoi? Tu as la chance que je ne vais pas gâter mon boubou neuf. On réglera ça plus tard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Tu ne t'es pas dit. Je ne t'ai pas dit que Laetitia va lui donner le joli boubou vert, là. Non, Marie. Le joli boubou vert. Calme-toi. Marie. Je ne pourrais pas supporter cette situation-là longtemps. J'ai compris. Calme-toi, Laïgi. Calme-toi. Allez, viens rentrer. On va en discuter tranquillement. Allez, viens. Quoi, moi dans la maison de Jésus? D'accord, d'accord. Restons là. Je t'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Marie. Non seulement elle me fait des choses dans le dos, et en plus elle me menace. Des choses dans ton dos? Tu veux parler de l'argent qu'elle avait caché, c'est ça? Oui. Mais est-ce que tu lui as demandé une explication? Quelle explication? Est-ce qu'une femme honnête doit détenir autant d'argent? Laïgi, Marie n'est pas une femme malhonnête. Je sais. C'est Laetitia. C'est Laetitia qui lui met des choses dans la tête. Je l'ai entendu dire de me malmener. De te malmener? Mais on verra bien qui me va malmener, qui ici. Je te jure. Oh, oh, oh. Non, 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 non. Laïgi, calme-toi, calme-toi. Tu vas quand même pas taper quelqu'un avec une croix? Non, non, laisse ça. Laisse ça, Laïgi. Ça. Yeah, mon père. Elle saura comment moi je m'appelle cette institutrice-là. Elle va savoir comment je m'appelle, cette institutrice. C'est elle. Elle est là. Ça, c'est elle, ça. Elle arrive. Elle attaque.
c'est pas Laetitia. Mais c'est pas Laetitia. Lagi. Bien sûr que non, c'est moi Laetitia. Mais c'est quoi ça? Marie, je suis désolée, j'ai pas trouvé quelque chose de plus dur que l'amidon pour me défendre. Mais on dirait mon boubou. Attends, on dirait mon boubou? Il y a deux boubous alors? Oui. Deux boubous? C'est le boubou que je voulais t'offrir avec l'argent de ma tontine. Mais je pensais que Laetitia te l'avait déjà offert. Hein? C'est ça que tu étais en train de cacher au fond de la cour là? Ah, vous voilà. Je vous l'avais dit que Marie était là. Ah oui. Je quitte Kiki Denis. Et je veux mon argent. Attends, l'argent que Marie a récolté? Oui. Mais vous l'avez touché? Ah non. Moi-même, je voulais donner. Oh. Je vous en prie. Hé, voilà votre boubou. Ce que Marie a pris à crédit, Lagi n'en veut plus. Mais c'est quoi? Vous avez fait quoi avec mon boubou? Vous avez frappé quelqu'un avec ou quoi? Les meilleurs bazins sont ceux qui ont été bien tapés. Ah non, hein. Je vous arrête. Hé, hey, monsieur, vous trouverez bien un pigeon à qui vous le vendrez. Des âneries comme ça. Hey, vous passerez à la maison, on va vous ajouter un sapin de Noël. Marie, vraiment, j'étais très mal jugée. C'est pas grave, là. Allez roucouler ailleurs, hein. Moi, je rentre. À demain. Hey, Marie. Pardonne-moi. C'est pas grave. Hmm? Bon, on va aller se coucher. D'accord. Hé, hé, hé. Vous là, hé, hey, hé. Hey. Les amoureux, rappelez-vous que c'est mon tour ce soir. Hé, hey. Hier, c'était déjà ton tour. Hier, c'était ton tour. Monsieur a boudé. Ça ne change rien au programme, hein. Ah bon? C'est ce qu'on va voir. Hey. Tu as déjà oublié? Hé, hey, hé. Hey. Arrêtez ah, ça. Gars. Arrêtez ça. Nous allons nous coucher. Nous? Nous? Qui est qui? Qui est qui? Hey. Moi? Hein? Mais avec mon boubou? Ah, mais quoi? Oui, viens, c'est toi! Hey, viens, oui!